Après 13. Voilà, petite Eurydice de la magie qui porte des robes. Les armes blanches, ça découpe. Bon, moi j'ai une arcanologue cette fois-ci. C'est cool, il a pas joué de terre. Et c'est suffisamment rare pour le dire en tant que paladin. Hein. Bon, je pense que je vais stream jusque 21h. Et après, je prends ma soirée. Plutôt parce que j'ai pas fait spécialement faim pour l'instant. Et comme je vous avais dit, je vais suivant comment j'ai faim, je vais. Soit je fais une pause à 18h ou 19h et je mange et je reviens après. Ou soit je stream jusque 21h et après je prends ma pause. Parce que j'ai des trucs à préparer pour la version Calreband 2.0. Pas mal de petites choses à faire sur Photoshop, etc. Ça demande beaucoup de temps. L'âme de ralliement, l'âme de ralliement, l'âme de ralliement. Ah, c'est tous. Tous, écrit les SOS. J'ai misplay. Qui jouait les +1/+1, et vu que c'est des T1, c'est pour ça que j'ai joué la guess maintenant, mais je pense pas que c'était le meilleur play du coup. Tu peux attendre jusqu'au T9 en attendant qu'il mette son DK s'il te plaît. Ouais, non, bah oui, bien sûr. Tu veux peut-être que je le laisse tout jouer tous ces chevaliers de la mort pour voir l'animation aussi. Allez, va face. Allez! Il a les face le tour d'avant, donc je vois pas pourquoi il irait pas. Bien joué. Bon joueur.
Jamais vu de l'animation perso, j'aimerais bien la voir. Elle est juste ridicule l'animation, ça fait piou 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 piou. Et puis c'est fun game. Piou 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 piou. Une bouteille vide et puis espère pour avoir à travers. SOS! C'est pourri quoi comme Apocalypse. Ah ouais, clairement! Non mais vraiment l'animation, on l'avait vu la première fois. Parce qu'on avait joué le deck, on avait eu les cartes avec Spectre Noir le week-end dernier. Et on a vu l'animation, on l'a fait. Ah ouais, d'accord. C'est juste, mais genre t'as trois petites boules toutes bleues là, toutes. Ridicule, et ça va sur l'euro, ça fait. Alors il va faire Taring peut-être. Ok. Syndragoza. Quand tant de drames vous oppressent, et les lames nouées de stress. Et je cours! Je me raccroche à la vie. Tyrion, je le voyais. Pourquoi Tyrion, pour moi, il avait 8 points de vie? Il en a 5! Il en a 6, pardon. Dans misplay. Misplay, pardon, misplay. On revient en arrière ou vous avez rien vu? Pourquoi je me suis persuadé pendant un petit instant, mais vraiment pas longtemps, que Tyrion il avait 8 points de vie. Et du coup j'ai fait mes trades, mais à la zob. J'ai recollé tous les morceaux. Est-ce que vous pensez à la même chose que moi? Ça peut être dingue. Je crois que je pense que Mourabi il est nul à chier. Mais si c'était une carte mage, je pense que ça serait balèze. Mais c'est pas le moment. Si, il faut que je joue Jaina, malheureusement. Tarim? Très nul, Tarim en vrai. Ouais, ok. Anti-Mégazord. C'est con, mais ça va même pas encore être le moment. Ouh. Ok, je me suis soigné, c'est ok. En pierre l'étoile sur les rochers.
Et qu'est-ce que tu dis de Nova Hospice? Après, voilà, il faut quand même bien jouer, tu vois. J'avoue, le play Murabi Nova est sexy, mais... Mais voilà, c'est pas dingue non plus, quoi. Après, je peux jouer Murabi prochain tour tout seul. Il pourra difficilement le gérer, et pourquoi pas, s'il pose du board, faire Blizzard au-dessus. Blizzard l'aurait fait. Bah, j'ai pas la mana. C'est 12, ça coûte 12 pour faire Blizzard Murabi. Yes! Je vais récupérer un petit Walish. Il va être beau, le Walish. Il va être beau, le Walish. Oh, tu fais deux tours avec. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je pouvais pas le gérer. Enfin, si, je pouvais faire choc de flamme. Puis aller le gérer, mais... Oh là 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 là! Oh là 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 là! La 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 la! Samuel Sabetudo. Alors, la cible est déjà gelée. Est-ce que si je la retape, je la revole? Je pense pas, vu qu'elle est déjà gelée. J'ai pas envie de tester. J'admets que Murabi, ça aurait été la légendaire mage. Ça aurait été dingue. Je pense que c'est beaucoup plus fort que Sinragosa si c'était une légendaire mage. En chaman, la carte est juste nulle. Mais là, tu regardais la value. En fait, c'est même pas. Enfin, ça se limite à se demander si la carte est nulle, en fait. Et tu vois l'utilisation que j'en fais là, je me dis putain. C'est pour ça qu'ils l'ont fait en chaman. Ah, j'avoue.
cette guerre.